Et nous parlerons de ce plan, le plan B. Voilà, le plan B de Gawal et Idi Amin. C'est-à-dire qui veulent prendre l'exemple de ce qui est arrivé au président Gbagbo avec Afinguessan. Voilà, c'est une information que j'ai reçue ce matin de Koto Djulde depuis Belgique, qui m'a appelé, Ousmane Gallon, qui m'a appelé pour m'expliquer. Et je pensais à cette formule-là. Bon, moi, je réfléchissais à cette formule-là. Pourquoi le monsieur insiste d'attaquer l'IFDG? Voilà, je le fais parce que d'aucuns diront que ce n'est pas ton problème. Je le ferai. Tant que tu es contre les combattants, voilà qui est formalisé. Il dit, ben non. Et si c'est mal de mourir. Je le ferai. Voilà, nous sommes dans la troïka. Le plan B, là, je donnerai cet exemple-là. L'exemple du président Gbagbo et Afinguessan. Parce que le FPI est resté dans la main de Afinguessan. Mais qui a aidé le Afinguessan dans ce sens-là? Nous parlerons de ça en deux mots. Et nous allons lire le message de Hadia Guénépé à son bien avant sa mort, lorsque son mari était en captivité, son message. Nous allons lire pour les bêtes. Nous allons lire ce passage pour les personnes démunies de d'esprit. Le passage de Sally Agilo King, qui a fait une vidéo en montrant la délégation du gouvernement qui est partie saluer les condoléances, c'est les sages du Manding, sans aller saluer le grand frère d'Hadia Guénépé qui vit, son grand frère de lait, c'est-à-dire Menkassi Minkablai, parce que qu'on considère aujourd'hui comme le premier responsable de la famille. C'est à ce dernier-là que la cola de Hadia Guénépé a été présentée, bien avant que le professeur Fakoly soit président. Nous allons nous adresser à ceci-là aussi, après. Donc, partagez, likez, et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur Benito Identité. Ce soir-là, nous allons faire une vidéo sur le Vaurien qui est aux États-Unis, c'est là qu'on appelle Fadiga. Voilà. D'accord. Donc, partagez. N'est que la champion, moi, mon frère de sang, Sanusi Sidibé, Fula Sinani. Voilà, Jerewolo, Foligne, Sanusi. Donc, je vais vous montrer des images. Aujourd'hui, permettez-moi, vous savez pourquoi j'insiste beaucoup sur le sport. Moi, voilà, moi j'ai été sportif. À Mamou ici là, j'ai été sportif, j'ai joué au ballon. J'ai été même mis devant mon destin. Ils ont dit, tu choisis le sport ou bien le football. Mon oncle qui m'a éduqué. J'aime beaucoup le sport, comme 90% de la population guinéenne aime le sport, même ceux qui le pratiquent ou non pratiquant. Mais regardez notre pays aujourd'hui, en reculant, notre pays aujourd'hui a perdu tout en matière de sport. S'il vous plaît, donnez-moi un seul indicatif qui dit oui, qu'il y a le sport dans ce... Fatouba, comment vas-tu, ma sœur? Madia Kité, Idiaté. Dominique Zera, comment vas-tu? Montrez-moi seulement si c'est Mandemouri. Un seul aujourd'hui, donnez-moi le nom d'une seule activité sportive aujourd'hui. Moda Menta, où quelqu'un peut dire, voilà, la Guinée évolue sur le plan sportif. Donnez-moi un seul. Vous me parlerez des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Attendez. Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans l'hôtel des footballeurs. Vous ne le savez pas. Il y a eu même un incident qui s'est passé. Bon, je laisse tout ça, ce n'est pas important. Merci beaucoup, Kadia Touba. Merci beaucoup, ma soeur, ma cousine. Est-ce que vous comprenez? Voilà, aujourd'hui, il y a eu un tournoi de la CAF. Un tournoi de la CAF. Qui s'est tenu, c'est-à-dire c'est organisé par la CAF. C'est un tournoi des lycées, des écoles. C'était la première. La Guinée est championne d'Afrique dans ce tournoi. Ils ont pris ces trophées, ils ont fait de la publicité. L'accueil triomphal des footballeurs. Mais ce que j'aime, c'est les autres pays. C'est quand certaines personnes sont capables de toucher, de venir toucher le problème du pays. Oubliez, nous avons combien de trophées? Laissez ces petits trophées. Vous savez, moi, j'aime la rentabilité. J'aime la rentabilité. Regardez aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons sportif? C'est des plans sportifs que nous pouvons tirer aujourd'hui et s'enorgueillir.
Ça n'existe pas. Pourquoi j'ai mal? Nous avons un stade flambant neuf. Le stade général s'en a compté. Remis au ministère des Sports au temps du professeur Fakonde. Aujourd'hui, ce stade-là est impraticable. Cela ne dit rien, absolument rien à quelqu'un. Voilà un ministre qui est boxeur, qui n'est pas sportif. C'est un boxeur. Il est belge, il n'est pas guinéen. C'est un belge. Il y a beaucoup de personnes au département des sports qui connaissent les réalités, même Abdou Salam Sow. Je pensais que Salam Sow allait être nommé parce que directeur du stade, parce que un sportif. Mais je vais vous montrer, c'est-à-dire, la première fois, c'est quand Ousmane Ba, nous avons vécu ensemble à Yataya, au Carrefour SS là-bas, on était ensemble, on était vers l'église. Je dis, c'est un homme dévoué pour le sport. Il m'a appelé une fois, c'est lui qui a attiré mon attention sur le stade de Zenlansan. Il dit, au stade d'or, dans un ou deux mois, au stade d'or, Andekadi, ce sera impraticable. Il dit, quand il nous dit, Allah, le stade de Zenlansan, ça c'est bien avant que cela arrive. Il m'avait averti. Il dit, je veux, comme il fait là, dans tes débats là, il faut additionner le stade de pardon. Parce que nous sommes en train de perdre le sportif. Goto Soutaki. Voilà pourquoi je mets souvent le stade dedans. Depuis. Et Dieu l'a donné. Dieu m'a donné. Dieu a donné raison à Koto Soutaki. Parce que aujourd'hui, la CAF est venue. Parce que notre équipe, on ne sait pas, le Horaya de Papa Antonio Soare est dans les compétitions africaines. Jacaré, salut Jacaré, on voit. Respect à lui, comment va Jacaré, merci, m'excuse. Vous comprenez? Vous savez, quand vous participez à une compétition africaine, Antonio Soare devait gagner $1 million. Ça, c'est parti. C'est avec l'argent-là. Ça, c'est les primes qu'on partage entre les clubs. Ça, c'est perdu. Personne ne parle de ça. Hein? Regardez l'enveloppe de ce tournoi-là qu'on appelle la coupe-là qu'ils ont reçue. Ils veulent faire de la publicité. Ça. L'enveloppe ne fait même pas $100 000. Ne fait même pas $50 000. Mais c'est tout le département de sport, le département de l'éducation qui s'est déplacé pour aller à l'aéroport pour accueillir. Oui. Mais dès que tu poses la question à Pia, qu'en es-tu du stade Lansana Conté? Que nous avons perdu, c'est perdu. Allez, les toilettes sont impraticables. Je ne parle pas du terrain que vous voyez comme ça. Même le gazon ne répond pas aux normes. Ce n'est pas moi, c'est les inspecteurs. Quand ils sont arrivés, ils ont voulu payer les inspecteurs. Vous savez, à la CAF, il y a la commission arbitre. Il y a la commission inspection des stades. Il y a les commissions. Mais la commission la plus organisée, la commission la plus stricte, la commission la plus dure, c'est la commission d'inspection des locaux. Des stades. Ce n'est même pas un problème de CAF. Partout. Parce que si le terrain ne répond pas, vous faites votre inspection, vous mentez, et qu'il y ait un match, et que l'équipe adverse ou les équipes se plaignent, le seul responsable, c'est cette commission. Voilà pourquoi on ne paye pas cette commission, on ne manipule pas cette commission. Ils ont voulu les manipuler, les payer. Ça, c'est le travail, les activités de ces bandits. Mais quand ils sont arrivés, ils ont fait l'expression, la note est là-bas. Est-ce que vous avez vu Béa venir lire, faire une conférence de presse, pourquoi le stade n'a pas été homologué? Il ne l'a jamais fait. Mais regardez ce qui s'est passé. Je vais lire. Il va à Yataya, c'est moi là-bas, à Yataya, qui sont en train d'inaugurer des centres de loisirs. Vous êtes en train de faire des centres de loisirs. L'argent que vous... Non, bon, c'est dépose des premières pierres, je m'excuse. Mais si vous avez de l'argent, si vous avez de l'argent pour poser les premières pierres de centre de loisirs dans tout Conakry, vous ne pouvez pas enlever 20% pour payer des sociétés, hein? Payer des sociétés locales, des petites compagnies de nettoyage pour nettoyer les toilettes et autres, l'entretien du stade. Vous pouvez créer une petite et moyenne entreprise en Guinée même pour s'occuper de l'entretien du stade. Vous n'avez même pas besoin d'aller ailleurs. Mais vous posez les premières pierres, vous avez le dossier à la Banque Centrale et puis on développe le montant, vous allez mettre votre part dedans.
Le projet est arrêté. Toute la Guinée aujourd'hui, c'est les poses des premières pierres. L'aéroport pose des premières pierres. Extension, première pose des premières pierres. Regardez le pont de Tanene. Le pont, vous avez écouté le discours du pont de Tanene. Le pont de Tanene. Vous avez écouté, non? Moi, j'ai pensé que le lendemain, on allait commencer des travaux. Les gens de Tanene demandent à El Hadj Sharona où se trouve la société. Qu'est-ce que vous voyez? Excusez-moi, je continue. Une minute. Donc, je vais vous montrer les images. C'est lui, hein? Parce que ce n'est pas moi. Regardez, c'est eux, ça. Ça, c'est un d'abord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les deux Vauriens. Attendez. Regardez les deux Vauriens, regardez-les. Regardez Avinga à la coupe, parce que il est le ministre des Sports. Lui, il a le trophée du meilleur joueur. Regardez. Maintenant, regardez les deux. Regardez les deux. Regardez-les. Voilà. Ça, c'est... Regardez-les. Voilà. Maintenant, pourquoi j'ai fait ce petit dire sur le passage-là? C'est un journaliste qui a posé la question à Béa concernant aujourd'hui sur le sport en Guinée. Béa, au lieu de répondre aux journalistes, il dit que ce n'est pas l'objet. Lui, au lieu de répondre, il y a des questions inattendues qu'on pose à tout ministre, à tout sportif, à toute autorité. On te demande sur l'évolution du sport aujourd'hui en Guinée. Parce que le journaliste là, c'est un journaliste sportif. Il sait que le sport est en reculant en Guinée. Depuis le 5 septembre, nous sommes en arrière. C'est terminé pour la Guinée. On lui pose la question, on dit, c'est quand vous regardez, est-ce que nous parlons de l'évolution du sport? Nous voulons vraiment fêter cette joie. Mais celui qui lui pose la question sait que ces lycées-là n'ont pas de terrain de football. Ces lycées-là sont des joueurs qui ont été sélectionnés à Conakry, envoyés dans l'équipe du lycée. Ben Sekoussila. Ce ne sont pas des joueurs du lycée, il le sait. Il sait de quoi il parle. Ce ne sont pas des joueurs du lycée, on sait. Des papiers ont été faits, tout ça, pour dire que ce sont les joueurs du lycée. On sait très bien que ce ne sont pas des joueurs du lycée. On le sait très bien. On le sait très bien. Je ne suis pas contre le lycée. Mais on sait très bien que ce ne sont pas des joueurs du lycée. C'est à cause de ça, je dis encore, ce sont des joueurs, ce sont des deux ministres de temps de la télévision sans couleur. Ça, c'est du passé. Ils sont dans le passé. Au lieu de venir montrer les trophées, montrez-nous, vous devez nous montrer des lieux, des centres sportifs, les stades en construction. Vous avez dit devant le monde entier ici là que nous avons la CAN ou PABA, que vous allez faire les stades. Vous avez montré une maquette du centre culturel. Ça s'est limité là. Mais c'est quoi? La maquette là, vous avez fait sa publicité. Où se trouve aujourd'hui le palais de la culture? Où se trouve ce palais de la culture? Ça n'existe pas. Ça s'est limité à la maquette. Est-ce que d'ailleurs, ce n'est pas la photo que vous avez prise pour montrer aux gens? Aujourd'hui, là, le BGDA, est-ce qu'il paye les artistes? Est-ce que les artistes là, reçoivent leur argent? Vous ne les payez pas. Tous les artistes. Qu'un artiste vient me dire qu'il a reçu son argent annuel. Je vais lire le message de Maman Hadja Guené, ce qu'elle avait dit lorsqu'on avait pris son mari, qui est très important. Ça aussi, c'est pour les petites personnes munies de petit esprit. Écoutez-moi très bien. Ça, c'est sa page. Ça, c'était sa page à elle. Voilà sa page. Ça, c'est sa page. Regardez. Ça, c'est sa page. Voilà. Le poste là, c'est le 30 novembre 2021. Voilà. 2021. À 13h13, elle a posté. Mes compatriotes, je remercie tout d'abord le CNRD et le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Le colonel Mali Doumbouya pour son sens de responsabilité élevé. Elle a dit ça d'abord. C'était son premier message. Maintenant, le suivant.
ramener mon époux, le prince Alpha Condé, à la maison et assurer sa sécurité en lui, garantissant un traitement digne de son rang, est un acte qui m'apaise à plus d'un titre, à plus d'un titre. Rassure la famille et tout le peuple guinéen. Ça, c'est pour vous qui disiez que ça n'allait pas entre son mari et elle. Je lis le passage là pour vous. Parce que, Icalon, vous n'êtes pas en train de faire ce que maman voulait. Elle a aimé son mari. Elle n'a jamais eu de preuve avec son mari. Dans tous les foyers, que quelqu'un me dit aujourd'hui qu'à 99%, pas de problème dans les foyers. Si quelqu'un veut expliquer ce qui se passe dans son foyer là, tu vas quitter. C'est-à-dire, même si tu étais son voisin, tu vas déménager. Les grandes dames qui viennent, les Macalé et autres là, qui n'ont jamais eu de problème dans les foyers là, on se calme, on se tait. Comara qui parle comme ça là, il n'a jamais eu de problème dans son foyer. On le laisse comme ça avec les consciences. Mais ce qu'elle a dit, nous lisons ça pour vous, qui connaissez comment elle vivait avec son mari. Je reviens dessus parce que je me demande comment des pères de famille, des mères de famille qui ont 70 ans connaissaient ce qui s'est passé entre Alpha Condé. Parce que même les journalistes qu'on savait, tout le monde le savait, madame est logée à Dixin, Alpha Condé était à Sékou-Touré. Quand vous regardez Sékou-Touré, le palais là, le palais d'abord est petit. Un deuxième, Hadja ne pouvait pas recevoir tout le monde là-bas. D'abord, ce n'est pas une résidence, ça c'est deux. Troisièmement, elle a ses propres affaires, son propre business à faire. Est-ce qu'elle peut recevoir dans un palais destiné à son mari? Donc c'était logique qu'elle loge chez elle. Et c'est vous êtes là aussi à dire qu'Alpha Condé ne venait jamais là-bas. On dirait que vous savez à quelle heure Alpha Condé partait là-bas. À quelle Alpha Condé... Non, vous êtes pathétique. La seule chose que vous n'avez pas dit, que comment Alpha Condé vivait, c'est-à-dire, je laisse ça. Comme vous savez comment ils vivaient les deux là. Donc voilà ce que la dame disait. Écoutez très bien, et puis on se quitte. Je le lis, hein. Elle commence par le respect, parce qu'elle est très bien éduquée, elle est responsable. C'est une personne non violente, elle n'aime pas la violence. Elle a commencé par ça. Elle a commencé par ça. Mes compatriotes, je remercie tout d'abord le CNRD et le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Tout ça là, c'est le respect. Le colonel Mamadi Doumbouya, pour son sens de responsabilité élevé, ça point, elle revient. Voilà, Gabi, c'est une petite personne qui manque de sujet, c'est ça même. Ramenez mon époux, le professeur Alpha Condé à la maison, ça dit c'est elle. Parce qu'Alpha Condé n'a pas de maison en Guinée. Sa maison a été attaquée. Depuis lors, elle n'avait pas de lieu de logement. Elle n'avait que le palais Sékou-Touré et c'est elle. Si Alpha Condé ne partait pas, ça y est, comment est-ce qu'il peut dire de la ramener à la maison? Vous, bande de bêtes, bande d'ignorants, comme disait Agile le King, des gamins, comme vous êtes des gamins. Vous les gamins là, vous les gamins. Si Alpha Condé ne venait pas chez elle, Alpha Condé ne dormait pas à la maison, comment est-ce qu'elle peut dire ramener mon époux à la maison? Parce qu'elle avait sa maison. Là-bas là, c'est sa maison, c'est pour elle la maison. Ramener mon époux, le professeur Alpha Condé, à la maison et assurer sa sécurité en lui, garantissant un traitement digne de son rang, est un acte qui m'apaise, qui apaise elle, à plus d'un titre. Bande de voyous. C'est elle qui le dit, hein, dans son poste. Rassure la famille, oui, et tout le peuple de Guinée. Comme vous le savez, je tiens plus que tout à la paix et à la quiétude nationale. Alors, mon souhait serait que les filles et le fils de Guinée se donnent la main pour construire et façonner notre pays qui a
tous les atouts pour amorcer un développement harmonieux et durable. Femmes et jeunes de Guinée, je serai parmi vous très bientôt, dès que mon état de santé le permettra. Je tiens à remercier les militaires, les militants et militantes du RPG Arc-en-Ciel pour leur soutien. En ce qui concerne les œuvres humanitaires, voilà, vous les enfants de Hadja, écoutez très bien, vous les enfants de Hadja, écoutez très bien. En ce qui concerne mes œuvres humanitaires avec la Fondation Prosmi, si Dieu me le permet, sachez qu'elles continueront avec le même dynamisme et le même amour pour vous, mes compatriotes, qui m'avaient toujours soutenu et amené à faire ces actions. Vive la paix. L'ancienne première dame, Condé Yene Kaba. C'est elle qui a écrit ça. Merci Ayuba, Bandou Kafar. C'est elle qui a écrit ça. En ce qui concerne mes trucs humanitaires, c'est-à-dire ce qu'elle faisait pour les personnes démunies et autres, elle rassure le peuple de Guinée que cela va continuer. Maintenant, vous, les enfants de Hadja Guinée, qui est venu confisquer ça? Qui est venu fermer Prosmi? Qui est venu expulser ses collaborateurs, les Indiens là? Qui a gelé ses comptes? C'est qui? Je vais terminer par Ousmane Gawal. En tout cas, je reviendrai tout de suite là sur Kaba Guiter. Kaba Guiter et l'Inde a attaqué Saint dans 20 minutes. Nous allons nous attaquer tout ce Kaba Guiter parce que on m'a expliqué comment tout est parti. Tout est parti de toi. Toi, Kaba Guiter, Kaba Poussière, Kaba Guiter, Kaba Poussière, qui a eu plus de 30 projets. Pendant tout le mandat du professeur, aucun projet n'a été achevé par cet individu-là, qui a eu tous les contrats. Akelemaban, Kankamba, Mandianaba, Kousaba, aucun projet, même dans la ville de Conakry, tous les projets que tu as obtenus. Akelemaban, aucun projet n'a été achevé. Kaba Guiter, Kaba Poussière. Kelemaban achevé. Tout est parti de toi. Tout ça là aussi. C'est pour avoir des contrats avec un truc là. Maintenant, je vais revenir sur Gawal. Le vaurien, celui qui n'a rien à faire. Et je réitère ce que j'ai dit hier, Ousmane Gawal. Mi fil l'or, mi fil lito, et mi fil tout n'y en de bé. Yao créé un parti maon. Ha boda élection, il dit. Parce que bouillemon, au CNR de l'eau. Que du Gombo, Nyandego, créa parti. Donc, comme un fall, quoi, il a créé parti, comme il y a seul IFDG. Il faut foutre la paix à l'IFDG. Tu comprends? Foutre la paix à l'IFDG. Maintenant, voilà ce qu'il veut. On m'a largement informé ce qu'il veut. Vous savez, il y a eu un bras de fer lorsque le président Bago était en prison. À la haie. Le président Bago était en prison à La Haye. Donc, lui, il était le boss du parti. Il était le secrétaire général. En tout cas, c'est lui qui était le président provisoire. Vous comprenez? Donc, vous savez, on choisit tous dans un parti politique pour tirer sur le parti, pour déstabiliser. C'est-à-dire, on prend la tête pensante, la tête la plus faible. C'était affligeant. Le président Ouattara a été très, 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 très stratège. Avec Ambak. Donc, ils ont tiché, sont passés par Fingissan. Les tests et lois du parti, tout était avec Fingissan, tout. Voilà, les manœuvres ont commencé pour déstabiliser. À un moment-là, les gens étaient surpris qu'il y a l'aile dure du FPI qui était dirigée par Adou. Non, comment il s'appelle là? Oui, j'ai oublié son nom, le vieux, le compagnon de Bago. Et vous comprenez? C'est ça, même Cameroun, les pré-cambriens. Donc, tout ce que se disait en réunion du FPI là, afin que ça faisait le compte-rendu à Ambak, paix à son âme. Donc, lui, il a reçu de l'argent, des faveurs, des largesses, comment on appelle ça?
du gouvernement de Ouattara. Finalement, ils l'ont poussé à envoyer le parti à la justice pour savoir qui peut continuer, qui est propriétaire du parti. Ils ont d'abord poussé une petite élection et Afingessa a été désigné. Donc, Afingessa est le président. Donc, ils sont partis à la justice. Mais qui gère la justice? Pas fini, le parti est resté dans la main d'Afingessa. Mais en ce temps, personne ne pensait que le président Gbagbo allait revenir. Personne. Il y a eu des négociations. Tout ce que Gbagbo est rentré. Lui, il était obligé parce que quand il a regardé les tests, son avocat est parti maintes fois. Il y a eu appel. Ils sont allés. Le jugement était en faveur d'Afingessa. Mais lui, il s'est dit, laissez le parti avec lui. Laissez-le. Et Gbagbo a créé son parti. Tous les militants qui étaient dans la FPI, là, 90% se sont dirigés vers le parti de Gbagbo. Et d'autres sont restés avec Charles Blé Goudé. Mais la majeure partie sont partis avec Gbagbo. Donc voilà, c'est le schéma-là qui a été mis après l'échec de Gawal. Parce que Gawal a été choisi, je l'ai même tout fait dit. Depuis le premier jour, il a été nommé. Parce que Sanoussi est là, hein, il est témoin. Ce jour-là, j'ai fait la vidéo, j'ai dit, hop, si Gawal est nommé ministre, c'est moi qui ai sorti la liste là. S'il est nommé ministre là, c'est pour déstabiliser l'IFDG. Il a été choisi pour déstabiliser l'IFDG. C'était le choix. C'est à cause de ça qu'il a été choisi. Je viens de recevoir l'information. Voilà l'information très capitale. Je vais lire ça. Excusez-moi, je vais lire ça pour vous. Ça vient d'arriver. C'est la famille du professeur Alpha Condé. La famille a confirmé et Alpha a tous les reçus de l'hôpital américain. L'hôpital américain, c'est-à-dire c'est le professeur Alpha Condé qui a envoyé Maman Hadja Diagne à l'hôpital américain. Il a tous les reçus. En fait, c'est une foutaise, on voulait envoyer au professeur. Je vais lire d'abord. La famille a confirmé et Alpha a tous les reçus de l'hôpital américain et il a payé les traitements de Guinée Kaba depuis longtemps. Donc, c'est pas à cause d'une récente facture du CNRD à payer qui vont dire que ce sont eux qui s'occupaient de Guinée. Les différents reçus de paiement prouvent que son mari payait son traitement depuis longtemps. Voilà. Pour la maladie que maman avait là, la famille de Maman Hadja Diagne est venue dire, nous reconnaissons, le professeur Fakonde, toutes les factures sont là. C'est-à-dire, à chaque fois que maman partait pour ses consultations, c'est le professeur Fakonde qui payait. Et c'est la dernière facture là, tout récemment là, parce qu'on doit aider toutes les premières dames. Quand Maman Henriette Conté était malade, avait des difficultés là, nous ne rentrons pas dans les détails là, c'était à 100% sous la responsabilité du professeur Fakonde. Jusqu'au décès, enterrement, tout, c'est Alpha Condé qui a pris en charge. Donc, moi, je pense que vous allez vous ressaisir encore une fois. Donc, Gawal a échoué pour déstabiliser l'IFDG. Il a échoué. Maintenant, ce que le monsieur veut maintenant, ce qu'il veut maintenant, ce que Gawal veut, ils ont trouvé la bonne méthode. C'est raviver qu'on ne peut pas l'exclure de l'IFDG. Il faut qu'il y ait un congrès reconnu. Et ça, il veut être aidé par Idi Amin. Même si ce n'est pas la même formule, parce que je me dis que l'IFDG est trop près par rapport au FPI. Je connais les responsables de l'IFDG. Je connais ses militants. Il peut en découdre avec ce dernier. Sur tous les plans. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que je voudrais dire, encore une fois, c'est que Ousmane Gawal est aujourd'hui dans le plan de récupérer l'IFDG. C'est-à-dire, pour lui, il a les possibilités de récupérer l'IFDG. Je sais que ce ne sera pas possible. Mais je suis en train de vous dire de ne pas, c'est-à-dire, de ne pas perdre le temps à le répondre. Est-ce que vous comprenez? Ce que lui veut là, ça ne peut pas marcher avec l'IFDG. Non seulement, l'IFDG ne va pas se permettre de laisser le parti, comme a fait Gbagbo qui a laissé le FBI dans la main de Afingessa, ils ne le feront pas.
Ça, c'est un. Deuxièmement, Gawa lui-même, il n'a pas de militants. Il n'a pas de militants, ça c'est deux. Troisièmement, moi je le demanderai pour test, pour un test. Il n'a qu'à faire ce que mon grand frère Makanera a dit pour Ousmane Kaba. Nous n'allons pas batailler contre Ousmane Kaba, nous n'allons pas répondre à Ousmane Kaba. Pour le moment d'abord, nous demandons à Ousmane Kaba de se battre, hein, de se battre pour aller à Carrefour Moria pour être le maire de Carrefour Moria. Quand il n'a qu'à commencer par être le maire de Carrefour Moria, après il viendra discuter avec nous pour être maire de Cancan ou le député de Cancan. Donc il ne s'agit pas de remettre l'IFDG à Gawal. Idi Amin, tu sais que ça ne marchera pas. Voilà. Mais moi je te mets en garde. Nous on dit Allah Gawal. Je veux que tu crées ton parti. Tu pars en compétition avec l'IFDG dans ta propre préfecture. Ça a gagné. Je dis à tous les Guinéens, si tu gagnes contre l'IFDG à Gawal, que tout le monde m'appelle comme ça là, Fatou, Fatou, Fatou. Partout qu'on me voit, on dit voilà Fatou, une Fatou. Mais on dit Allah, si tu pars en compétition avec l'IFDG dans ta propre ville, je le jure, si tu as 10%, c'est que comme index, voilà, une Fatou, une Fatou. Je te mets à défi. Dans ta propre là, c'est-à-dire ta propre préfecture Gawal. Si toi, tu as été député de Gawal, je le répète encore une fois, c'est grâce à une personne. Mais comme notre coutume là, nous, notre tradition, c'est être, c'est-à-dire la trahison guinéenne est devenue de l'ingratitude. Hey, quand on dit, ah, les Guinéens sont ingrats, ne vous fâchez pas, hein. C'est devenu une culture. C'est devenu une culture. En Guinée, là, l'ingratitude est devenue une culture. Moi, je demanderai à tout le monde, tous ceux qui ont des enfants, de se battre pour ne pas qu'on contamine vos enfants. Je dis dans vos enfants, qu'on contamine vos enfants. L'ingratitude là, parce que moi, je me rappelle, moi je peux donner exactement la date à laquelle moi j'ai entendu parler de Gawal. C'était derrière Elasso d'Alignalo. Mais oui, c'est normal. C'est une culture. Voilà, c'est une tradition guinéenne maintenant, l'ingratitude. Voilà pour nous là, voilà pour nous. Nous là, on a pu digérer notre ingratitude là. C'est passé ici. Le RPG a pris l'ingratitude là. Il s'est frotté avec. Est-ce qu'on les regarde? On ne les calcule même pas. Nous avons toujours dit, si vous savez que vous êtes populaire là, allons sur le champ des élections. C'est l'élection qui départage. Vous dites, Ousmane Kaba, tu es populaire. Lazara Kouyaté, tu es populaire. Komara, tu es populaire. Arrêtez de dire que d'exclure les autres là pour qu'ils soient les seuls candidats. Allons aux élections, vous allez voir. Nous allons comprendre, nous allons savoir qui est populaire. C'est très simple. C'est très simple. C'est ce que nous avons demandé. Regardez, l'IFDD aussi peut-être va... l'affaire de Gawal là va passer. En tout cas, pour nous là, c'est passé. C'est terminé, c'est passé. Donc, portez-vous très bien. Gawal Marsata. Maintenant, je dis, fous la paix à l'IFDD. Va te chercher. Crée une partie politiquement. Va en... Moi, je ne parle pas de RPG, mais je te mets en défi. Crée parti Mahon, présente-toi comme maire de Gawal. Ça a gagné. Ça a gagné. Il faut te présenter comme maire de Gawal. Mais on dit Allah, si tu gagnes contre l'IFDG, comme il faut que tu aies un galant faux, Mingalama. Je te le dis, hein, en plein ramadan. Je le jure. Crée ton parti, postule pour être maire de Gawal. Une élection transparente, non triquée. Ça a été dit pour un ami. Donc, portez-vous bien. On se retrouve tout de suite là sur Benito Identité, sur Kaba Guitare, Kaba Poussière. Parce que je ne vais pas le rater. Donc, portez-vous très bien. Encore une fois, nous remercions la famille de notre maman disparue, Maman Djené, qui s'est déplacée pour aller dire la vérité à la famille. C'est pour vous le corps. Mais l'image que vous n'avez pas vue là, allez-y regarder la vidéo de Agir. Regardez le sac qui était devant des salles de Mandeng. C'est un sac plein d'argent. Ça explique tout. Le sac qui était devant le sage qui parlait là, le sac là, c'était des... Ce ne sont pas des billets de 5 000, ce ne sont pas des billets de 1 000 francs, c'était des billets de 10 000. Et regardez là, c'est le petit sac de 25 kilos là. Presque ça dépassait la moitié. Tout était argent. Des paquets de 10 000. Allez-y voir, l'image est là-bas. Donc, si on vous donne un sac d'argent là, mais vous pouvez, ce que vous avez fait là, c'est normal, vous devez le faire. Parce qu'on vous a payé pour aller. C'est à cause de ça que nous remercions les jeunes.
Nous disons merci aux jeunes de l'IRPZ Cancer qui les ont saciés au domicile du professeur Fakonde. Ils ne retourneront plus jamais là-bas. Donc portez-vous très bien. En attendant, Gawal, il faut souffrir d'entendre le mot IFDJ sans toi. Il faut souffrir. Tu as vu ce que Baoudi a fait. Baoudi a créé son parti qui est dans l'anonymat. Il faut créer ton parti, tu vas voir. Toi, tu seras dans l'anonymat plus que Baoudi. Donc portez-vous, bande d'ingrats, bande d'injustes. Voilà, vous avez rendu notre pays, vous avez donné un nom aux Guinéens. Et aujourd'hui, là, partout, tu passes, on dit, mais vous, j'étais ingrat. C'est devenu un nom pour tous les Guinéens. Et voilà, même si tu n'es pas un ingrat, là, c'est devenu ton nom. Partout, tu passes là. On dit, mais votre pays a trop d'ingrats.